Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit de ma wishlist de Noël. Je me suis dit que faire ma wishlist allait peut-être vous donner des idées pour la vôtre et aussi que c'était un moyen original de donner ma liste de cadeaux de Noël à mes parents. On va commencer tout de suite par la première chose que je veux et c'est le Little Black Book of Bronzer de Too Faced. Si vous ne connaissez pas, c'est en fait une palette qui rassemble tous les bronzers de Too Faced. C'est vraiment un bijou pour les collectionneuses de maquillage et j'ai fait à peu près tous les Sephora, il est en rupture de stock partout, donc si mes parents arrivent à mettre la main dessus, ce serait genre formidable. La deuxième chose que j'ai mis sur ma liste, c'est un lisseur vapeur. Pourquoi un lisseur à la vapeur? Parce que lisser ses cheveux, c'est pas bon, et dans mon esprit, la vapeur, ça atténue. C'est pas que ce soit totalement inoffensif, mais en tout cas, ça fera moins de mal que d'appliquer directement la chaleur sur le cheveu. Et aussi parce que j'ai l'impression que ça dure plus longtemps et quand on voit ma tignasse, on sait que un lisseur où je passe en une fois et mes cheveux sont vraiment lisses, j'ai pas besoin de repasser et surtout qui dure, ce serait pas mal. La troisième chose que je veux, ce sont des bombes pour le bain de chez Lush, bombes ou pain moussant parce que j'ai vraiment envie de tester les bombes de bain de chez Lush. La quatrième chose, c'est le livre de Zoella, donc le deuxième tome de Girl Online, mais je le veux uniquement s'il est déjà sorti en français, ce qui m'étonnerait mais j'ai le droit d'espérer, parce que j'ai déjà le tome 1 en français et que je voudrais continuer dans la même langue pour le deuxième tome. Mais franchement j'ai adoré le premier tome et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Le cinquième cadeau que je voudrais, ce serait des éclairages, parce que j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos. Mais pour ça, l'éclairage c'est super important. On peut avoir une image moyenne, un son moyen. Si la vidéo est pas bien éclairée, c'est vraiment catastrophique. Je m'en rends compte maintenant. Je suis obligée là de filmer devant ma fenêtre pour avoir une luminosité plutôt correcte parce qu'il fait mauvais. Et voilà, ça me force à filmer dans des endroits où je suis obligée d'être face à la fenêtre et c'est pénible. La sixième chose que je voudrais, c'est le tome 3 et 4 de Alpha et Omega, parce que je suis en train de relire la série Alpha et Omega et je me suis aperçue que ça avait continué après le tome 2, donc il serait peut-être temps que je me mette au diapason, à la page, bref, que j'ai la suite, parce que en ce moment c'est un peu mon livre de chevet. Je voudrais également le masque de Macadamia Oil parce que j'ai vraiment envie de tester les produits Macadamia Oil mais que c'est plutôt difficile de trouver ça en grande surface, enfin en tout cas c'est impossible, du coup j'aimerais bien tester quand même. Huitième cadeau que j'aimerais bien, ce serait un shampoing Kérastase, juste parce que j'aimerais tester la gamme Kérastase, je vais y arriver. Je sais que ça va sembler un peu bizarre là parce que je suis très tournée par mes cheveux, hein. Je vois que j'ai beaucoup de cadeaux en rapport avec mes cheveux, mais c'est vraiment en ce moment le truc le plus important pour moi, c'est de prendre soin de mes cheveux. Donc j'aimerais au mieux prendre soin de mes cheveux parce que des cheveux sains, c'est quand même vachement important, même si on se maquille pas, même si on a une peau dégueulasse, si on a des cheveux sains, ça passe. Et la dernière chose que j'ai mis sur ma liste, c'est un abonnement pour une box beauté parce que j'avais déjà demandé ça il y a 2 ans et j'avais adoré le concept même. Le fait de recevoir après Noël encore des petits cadeaux et de pouvoir tester différentes marques, j'avais trouvé ça super bien. Donc du coup j'aimerais bien avoir un abonnement, pas forcément My Little Beauty mais une box beauté en général. C'est juste pour donner des pistes à ma famille et vous donner au passage quelques petites idées de choses à demander parce que je sais que des fois c'est un petit peu difficile de demander des choses, on sait pas trop quoi mettre sur sa liste. Moi honnêtement j'ai galéré avant de trouver au moins ces 9 choses et encore j'ai dû rajouter des trucs, farfouiller pour trouver vraiment des choses qui me feraient envie. J'espère que la vidéo vous a plu, si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo pour voir d'autres vidéos Christmas with Claire, commentez-moi vos listes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!